En 1961, deux missionnaires partent de loin pour venir dans l'Éden africain, qu'est l'Ouganda. C'est ici que se jouera le destin de la Montréalaise Lucille Teasdale. Lucille Teasdale et son époux italien, le docteur Piero Corti, ont construit à partir de rien un hôpital en Ouganda rural. En 35 ans, ils ont transformé un petit hôpital de 30 lits en un important centre médical. For 20 years, she was the only surgeon over, you know, 2 million people. 2 million people. Mais le couple n'a pas que soigné les malades. Il a formé une génération de médecins et d'infirmières ougandais. She was a fountain of knowledge for all of us. Puis, la catastrophe. That peace was shattered when Idi Amin came into power. L'Ouganda a sombré dans le chaos et l'horreur d'une guerre civile. Le virus du sida circulait dans le sang des blessés. And this is probably when she got infected with the AIDS virus. Le pays a pleuré Dr. Lucille sans savoir qu'un nouvel ennemi le guettait. En octobre 2000, l'épidémie d'Ebola a frappé la région. Le docteur Matthew Lukuia a mobilisé plus de 100 bénévoles pour soigner les patients atteints d'Ebola. 13 d'entre eux, dont le docteur Matthew, ont payé de leur vie ce dévouement. Après la mort des fondateurs, la guerre et l'épidémie, comment cet hôpital a-t-il pu survivre à tant de tragédies? En sorte que quand on sera mort, ça ne va pas tout crouler, mais il y a des Africains qui vont continuer le même service. À travers la guerre, la maladie et le désespoir, l'hôpital a non seulement survécu, mais grandi. Et il est devenu symbole d'espoir pour la population et les communautés environnantes. Because the hospital is not only a hospital, it has had to face years of insurgency. So we have to build by ourselves, we have to repair by ourselves, we have to do maintenance. So there are a lot of workers, of cleaners, of people who sew, of people who wash. It is a small city. Now the challenge as of now is that because of the wars which have lasted since 1986, now coming to two decades, the economic growth again has been completely down and people are very poor. Alors ils souffrent de maladies qui se traitent et qui sont évitables. L'hôpital soigne quelque 300 000 patients par année. And out of this, more than 70% of them are women and children. Bien que l'hôpital ait abattu plusieurs barrières, son financement demeure un défi, car il provient en grande partie de donateurs étrangers. Dominique Corti et le docteur Martin travaillent sans relâche à amasser des fonds. En plus d'être géré par des Ougandais, l'hôpital compte près de 600 employés, du directeur au personnel d'entretien, tous Ougandais. C'est aussi un hôpital d'enseignement, comptant 60 étudiants de la faculté de médecine de l'Université d'État de Gulu et 200 autres au programme de soins infirmiers et d'adjoints de laboratoire. Things here have changed. We have now 40 doctors. They are all Ugandans and they are very good. I am what I am because of this hospital.